on est venu ici, on ne sait pas les gens là-bas. De ces populations-là qui sont arrivées ici, nous ne parlons pas le même langage. Nous n'avons pas les mêmes tribus. Nous n'avons pas les mêmes comportements. Ce qui fait que quand on ne regarde pas quelque chose de la même manière, tout de suite, il y a un petit conflit. Les femmes se bisculent un peu partout d'abord pour trouver de l'eau. Le partage des terres se pose un tout petit peu de problème. Les musulmans, ils sont restés à ce côté. Les chrétiens, ils sont restés à ce côté. C'est ça qu'il va nous ramener des bagarres. Avant, on n'a pas allé là. C'est moi provocateur à l'école, tout. C'est moi provocateur. Si on est allé à l'école là, c'est moi que je peux frapper quelqu'un premier. Et plaidoyer PBA avait prévu à son objectif 3 de renforcer les capacités des communautés, des enseignants, des élèves, des enfants pour prévenir, réduire et résoudre les conflits au niveau communautaire. Avait identifié plusieurs facteurs de conflits et violences dans les milieux scolaires. On a développé des activités, d'abord avec les enseignants. On a organisé des journées pédagogiques et puis des mini-stages. Et là, c'est beaucoup plus axé sur l'éducation à la paix. Et avec les enfants, nous avons formé par exemple les enfants porteurs de paix. Si j'ai vu les gens sont en train de bagarrer, assurez-vous. Si on est assis, je cherche les autres, ce que je peux pour défendre les bagarres. نجي نفرق مشاكل ده كان في الايكول ني اوري ميسي ده ديني تون واحد كي نلم ايال ده نهجي معاهم شغل سينا في الفورماسيون هكذا كي اديل اوتو كل سو مش الكي اسا قاعدين نكونتيني بيكي كي Vous allez trouver qu'il y a les Peuls qui sont assis ensemble avec les Arabes. Vous allez trouver les Arabes assis avec les Kaba. Dans la cour, après les récréations, ils jouent le ballon ensemble. Ils font des petits jeux. Ils font les petites courses. Donc cela veut dire qu'il y a le brassage. Si on forme les enfants pacifiques, si on forme aujourd'hui les enfants tolérants, on forme les enfants qui sont ouverts à la diversité, demain, quand ils seront adultes, ils vont jouer un rôle plus important dans la prévention et résolution des conflits. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la cohabitation pacifique au niveau de la communauté. Les chefs de zone sont élus et une sensibilisation a été faite, une formation a été faite pour que comment cohabiter avec quelqu'un. On a rentré quartier par quartier pour expliquer aux gens que la bataille n'est pas bonne, le conflit aussi n'est pas bon, même taper tes enfants, même ta femme à la maison, ce n'est pas bon aussi. Efforts, on a obtenu beaucoup de résultats. Par exemple, l'interaction entre les différentes communautés, réfugiés, retournés, nomades. Et puis deux, le nombre de conflits a diminué. Ensuite, vous avez aussi plusieurs personnes qu'on a formées à travers ces projets en médiation, sont sollicitées par les services de l'État et de sécurité qui recourent à ces gens-là pour intervenir dans des conflits. Arrivez ici, là. Nous avons vraiment cimenté nos relations. À l'école, à présent, il n'y a pas de bagarre. On est dans la paix à l'école, à présent, même au quartier.